Hello, comment ça va Par exemple, c'est normal que je ne t'entende pas. Tu m'entends en plus, on a fait un test avant. Oui, mais tu m'entends. Attends, c'est peut-être moi. Je vais aller voir dans mes options. Bonjour tout le monde. Pendant que Jessica, c'est -ce oui. moi. Comment ça, on toi non, On entendait tantôt. Vous, vous entendez pas, pas. Tu m'entends Attends. Hey, nous autres, on aime ça faire ça avec vous autres. Est-ce que vous entendez oui. chose? Là, je t'entends. Ah, donc si vous êtes là, je vous invite à nous faire un petit coucou en commentaire. Bon mardi, Marie-Christine. Bonjour Florence. J'imagine. Est-ce que vous nous entendez? Là oui. est la question. Oui, mais en tout cas, moi, je t'entendais. Mon chat a parti sur mon mon Facebook. Alors, j'ai vu le, le, le live. Je t'entendais toi. Moi, je t'entendais pas à la base, mais là, je suis là. On est là. Es là, là. Allô! Jessica Brazo, si vous me connaissez pas, de Sava Maman. Salut, Jamie. Bonjour, Jessica. Moi, c'est Jamie Damac du blog Je suis une maman, parce que là, on est en direct et sur la page Facebook de Sava Maman, et sur la page Facebook Je suis une maman, et sur le YouTube de Je suis une maman. On est comme international cet après-midi. Oh, on va être international français. Oui. Tout ce qui je être en anglais par contre, euh, sorry. Ben, il y a plus de langues que l'anglais seulement. Moi, oh, ça va. Ça Écoute, euh, ça va. On dirait que j'ai comme besoin de prendre une respiration là. T'sais. On dirait que ça fait quatre fois que je me change depuis un matin. J'ai comme eu une grosse avant midi, puis toi aussi. Alors, euh, ouais. commence Même par aussi. nous raconter tout ça, puis après ça, chacun de notre tour, on va venir notre sac. Puis vous autres ouais. à la maison, comment ça se passe On veut savoir comment ça va. Alors dans les commentaires, dites-nous le. Et Jessica. Ouais quest c'est que si Je vais ce euh, ma faute. C'est entièrement ma faute. T'as-tu quelque chose à boire pour qu'on puisse oui. justement être relax ce matin? Un hein? Petite cure de tisane. Euh, oui. malheureusement, je n'ai pas toujours, j'ai écrit, à... la semaine passée, je te disais que j'allais écrire à David T parce que j'étais frue parce qu'ils ont enlevé jour de neige. Je l'ai fait. Et, euh, ils m'ont répondu comme quoi ça a été discontinué, mais si jamais il y a plusieurs personnes qui leur disent que c'est leur préféré, ils vont la ramener. Puis, Jour de Neige, c'est chocolat menthe, OK? Fait que, ah, mon ouais? job, pour me faire plaisir, il m'a acheté plein de tisanes et de thé de chocolat pour, pour voir si ça allait goûter à ma affaire. Ça n'arrive pas à la cheville de Jour de Neige de David mmh. City. Non! Fru, mais c'est pas grave, je vais prendre une gorgée pareille. Parce que jour de neige, c'était euh, une combinaison euh, ça le After Eight. Mmh. eight. c'était tellement bon, puis avec une petite touche sucrée. Toutes les autres sont très euh, thé, thé avec l'amertume du thé, puis tout ça. Bref. Peut-être que les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être une suggestion. Donc, est-ce que vous connaissez quelque chose qui ressemble à Jour de Neige de David T dans une autre marque, un autre format, quelque chose? Peut-être que vous pouvez aider Jessica dans ça. sa quête. Mais sinon, là, c'est vraiment ma faute. Pourquoi ça va plus ou moins aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin, dans le sens où ça va bien, mais je suis un peu essoufflée. J'ai de la misère ceux qui suivent ça va maman, savent que depuis dimanche, j'ai fait une confession. Je vous ai dit à quel point j'étais pas organisée dans la vie. Sérieusement, moi c'est nouveau quand même travailler autonome, tu sais à gérer mon horaire et tout. Habituellement, j'avais une très très grande liberté de, de de faire ce que je voulais quand je voulais parce que je travaillais le matin, tu sais dans les morning shows. C'est très tôt le matin, fait que le reste de la journée, j'en profitais pour Là, je me rends compte qu'avec trois enfants et une entreprise, je peux pas, pas être organisée. Ça marche juste pas. Tu sais. Fait j'étais tout le temps à bout, tout le temps comme Ah oh, mon Dieu, c'est quoi comment qu je peux souper Ah oh, mon Dieu, si Ah oh, Seigneur, j'ai oublié ça. Je... Tu sais? Fait que là, je me suis dit, depuis dimanche, je vais être organisée maintenant. Je vais être une femme organisée. Puis, euh, j'ai rechuté ce matin. Ma mère m'appelle. Elle travaille chez Ikea, ma mère. Elle me dit, « Jess, les rabais dans le tel quel, 50% sur le 50%, ça finit aujourd'hui. » Je suis comme, oh! « OK, c'est pas grave. Je vais modifier pas, c est, c est, c est ma couture. » T'es pas allé chez Ikea? Ah! En fait, pire que ça. Je me suis rendue, j'ai dit, j'ai le temps avant que je... mon live avec Jamie, 13h, je vais faire mes affaires, je vais travailler ce soir en place pour prendre du temps parce que j'ai tellement hâte d'aller magasiner. Je ne sais pas vous, là, si vous avez hâte, mais les magasins ouvrent puis je suis comme, oh, c'est pas pareil comme en ligne, tu sais. Tu n'as pas l'expérience de magasiner puis juste de regarder toutes les allées, là. Genre, je ne sais pas de chat, tu hâte. Oui, mais en fait, on dirait. Je suis allée en ski. Philippe était en pédagogique vendredi passé, puis après genre 22 000 recherches, puis 54 refresh de la page, j'ai enfin eu des billets pour aller faire du ski. Puis quand j'étais à la montagne, même si on est loin de tout le monde, juste de voir des gens, c'est juste de voir, juste d'être en société, j'étais oui. comme, oh, j'avais oublié à quel point c'était le fun juste de voir du monde, tu sais là, oui. puis de vivre. Alors Ouais. T'sais, aller magasiner, j'ai comme j'ai pas besoin de rien, mais en même temps juste ah, le bonne. fait de pouvoir d'avoir le pas besoin. <laughs> ben écoute, je dis ça puis il y a une grosse boîte de Simon qui, qui vient d'être livrée chez nous. Fait que tu comprends-tu, fait que, t'sais, on va développer okay. les affaires, là. J'ai une belle grande boîte à développer après me t'en dire. Alors euh, ouais. dans le sens que je sais j'ai pas besoin de me déplacer, Donc, en fait j'ai j'ai réalisé avec la pandémie et tout ça que sortir ou pas c'est c'est je suis correct, je suis bien chez nous, ouais. tu sais, ouais. mais euh, quand je le fais puis je sors... Ça me fait du bien. C'est comme je suis ouais. devenue un peu parasseuse. Ah, mais je hein? comprends. Non, je comprends. Mais moi, j'avais vraiment... J'adore la déco. Tu sais, on en a parlé souvent dans plusieurs lives. Puis tout ça. Puis je me suis dit, ah oh, en plus, je peux pas manquer ça, là, des rabais comme ça. Puis elle m'a montré une lampe qu'elle a achetée qui vaut 200$. Elle l'a payée 16$. En tout cas. Fait que je me dis, j'ai le temps. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais non, mais j'ajoute. Mais là, toi, tu peux des ah, achats. Hey, belle. Ben non, parce que je suis arrivée là-bas, imagine-toi donc, la file, la file, le serpentin à l'extérieur jusque dans le stationnement des employés. Là, je me suis dit, je jamais le temps d'arriver à temps pour mon live avec Jamie. J'ai rebroussé chemin et je suis, là, j'ai fait, oh, il n'y a personne chez Winners. ah oh, couru chez Winners. Puis là, j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit, Jess, je suis devant chez vous, là. Elle venait chercher un blender. Puis je l'avais oublié parce que je suis pas organisée. Fait que là je suis chez Winners avec mon, mon pot de fleurs. Je suis Comme ah, je suis même pas dans la même ville pour comprendre. Le Winners près de chez nous, il est à Boucherville. Moi je suis à Varennes. C'est pas très loin, mais quand même elle est chez nous. Fait que je me suis dépêchée puis j'ai pris mon pot de fleurs parce qu'il y avait toutes les pots sont sortis chez Winners. J'avais le goût de faire toutes les allées. Bref, je suis revenue chez nous. Alors j'ai perdu mon temps. Il faut que je travaille ce soir. Fait que c'est un gros zéro. Mais ça me fait penser, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse une émission sur justement s'organiser, nos trucs oh. d'organisation? Parce que moi, je suis mise organisation dans la vie. Oh, J'ai besoin de ça. Alors, est-ce que ça vous dirait dans une future euh, émission qu'on jase d'organisation? et genre la euh, semaine prochaine. <laughs> Puis l'autre, j'avais eu un autre flash euh, d'idées, mais l'autre question que je me pose, est-ce que vous êtes allé dans des magasins ce matin? Est-ce que vous allez y aller cette semaine? Est-ce que vous êtes content que les magasins soient ouverts? J'aimerais également vous entendre là-dessus. Mm -hmm. euh, puis pour la la question euh, de l'organisation, aimez la vidéo pour qu'on puisse voir. Là, si on voit les j'aime monter, on va pouvoir oui. mettre ce, cette idée-là en banque pour une future émission. Puis moi, ben... C'est la première fois je pense depuis 5 heures et quart ce matin que je m'assois puis que tu sais je, je respire parce que aujourd'hui euh, mais en fait je me lève très tôt, je me lève à 5h oh et 5h30 et là, ouais, là je me suis et entraînée elle, naturellement en plus tu oui, j'ai pas de oui, cadran, oui, j ai, j ai je j'ai pas de cadran, je me suis réveillée ouais. um, je me suis entraînée puis après ça je tournais une chronique télé donc je devais me préparer voilà pourquoi que je suis un peu cute aujourd'hui je me suis maquillée et là après ma chronique il ne faut tout que je monte ma cuisine faire mon setup faire ma chronique défaire ma chronique fallait que je tourne une autre capsule pour un projet là j'ai fait ça après ça j'avais plein de courriels après ça j'ai dîné en vitesse puis après ça tu sais c'est tout aujourd'hui là fait que c'est comme une grosse journée puis quand que je fais de la télé, je suis toujours un peu sur l'adrénaline parce ouais. que tu sais tu, tu il sais, n'y a pas 22 prises, tu as une prise. Euh, puis tu sais je veux bien faire et tout ça donc euh, c'est comme si je commence à me poser à 13h et 7. Ouais. Euh, bon ben prends prendre respiration. Oui, garde puis garde tu sais j'ai deux verres, tu sais j'ai la tasse d'eau, la tasse de tisane, tu sais c'est ça. Alors euh... <laughs> vous qu'est-ce <laughs> que vous buvez présentement Est-ce que vous avez quelque chose là On dirait que quelque chose de chaud, c'est réconfortant. Fait que ça va nous apaiser un peu. T'sais. Juste comme prendre ça. Puis il y a Mélanie coton qui dit hier, j'étais à la fréprie Renaissance, les gens étaient malades. Ils avaient comme deux chariots pleins. Du coup, je me suis créé des besoins. Ça fait du bien. Ah Mélanie, je te comprends tellement. Vraiment. Puis Marie-Christine qui nous dit Oui, on veut des trucs, s'il vous plaît. Mélanie qui dit Ah, l'organisation, j'adore. Alors, c'est noté les filles. C'est noter les filles. On va aborder ça. Euh, dans une future émission, peut-être même ouais. la semaine prochaine. On verra. Hey, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de tes trucs parce que pour vrai, je n'y je, je, arrive pas. Par contre, dans mon euh, détour de magasinage oui. infructueux, je me suis quand même acheté une petite to-do list. Ah. <laughs> fait que je me suis dit, moi, je suis très papier dans la vie. Euh, J'ai besoin d'un agenda papier puis d'une to-do list papier. Puis... Fait que là, je me suis dit, maintenant, je vais. Euh je vais être ordonnée, puis je vais être organisée. Fait que la semaine prochaine, on vous organise ça. Parce que cette semaine, on voulait parler de Saint-Valentin. Oui. Là, frais, les filles... Ben, ça. Là, je me suis dit, là, je voulais être cute, sauf que là, j'ai un petit frisson. Fait que là, je me suis dit, ah ouais, dehors, le cute, puis là, je vais mettre ma belle C'est bien tendance. Bien tendance, ouais. le, 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 le motonné un peu, là. C'est tu sais, le confort, ah. là. Ah ouais. Alors, c'est ça qui est ça. Louis, on va jaser aujourd'hui de la Saint-Valentin parce que mine de rien, c'est en fin de semaine. Alors ouais. la première question, en fait, j'ai on a mis un texte sur le blog, on a repartagé un blog qui avait comme titre êtes-vous un grinch de la Saint-Valentin Alors je suis curieuse, est-ce que vous êtes pro Saint-Valentin ou grinch Saint-Valentin Donc dans les commentaires, on aimerait bien vous lire sur le sujet ouais. puis en attendant Et toi. Toi, 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 toi j'allais aller avec toi. Moi, écoute, moi je pense que la Saint-Valentin quand, quand j'étais célibataire et j'ai été ouais. célibataire pendant plusieurs années. La, le jour arrivait à, de la Saint-Valentin, puis j'étais comme Ah, oh, je suis seule, puis tu sais. Puis à cette heure, je suis en couple depuis ça va faire combien de temps qu'on est ensemble, genre 9 ans? Saint-Valentin, là, c'est maintenant une fête familiale. Tu sais, je le fais mm. pour mes enfants, je décore, je mets des cœurs partout. Euh, J'aime ça qu'il y ait un petit quelque chose sur la table quand ils se lèvent le matin, un petit chocolat. Fait que c'est très, très familial pour moi, la Saint-Valentin. Et pas du tout couple. Fait que je me suis dit « Hey, la Saint-Valentin, ça existe clairement pour rappeler aux célibataires qui sont célibataires. » Parce que à l'époque, ça me dérangeait. Puis la Saint-Valentin voulait me dire « Tu sais, comme la fête de l'amour, tout le monde est en amour ce soir. » Et maintenant, je me rends compte que c'est dimanche, tu on fera pas... Oui, mon chum, par exemple, il est fin, là, il m'achète euh, un chocolat, des fleurs, quelque chose, tu sais, mais, mais c'est vraiment une journée autant qu'une autre, à part pour mes enfants. Je fais ça spécial pour eux autres. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens que, tu sais, je trouve que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui deviennent très, très, très commerciales. Mais de l'envers de la médaille, pour moi, je me dis... Je trouve que c'est aussi un rappel que, tu sais, faut prendre soin des gens qu'on aime. Pour moi, c'est vraiment l'amour, tu sais, pour mon conjoint, pour ma famille, pour mes enfants, l'amitié. Donc, je me dis, je comprends que ça peut taper ses nerfs de certains. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est un beau rappel, tout comme la fête des mères mères, la fête des pères, quand les gens disent, ça devrait être à tous les jours. Oui, je comprends, mais, tu sais, la vie va tellement vite que je me dis, c'est comme faire un tour. Euh, donc pour moi c'est un, un un rappel de 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 ne pas oublier ça parce que je pense mais que c'est une mettons, mettons importante. Aller au resto avec ton chum là bon évidemment on peut pas. Euh, en mais... temps normal euh, non mais en fait moi je suis un peu cheap dans la vie puis euh, mais pas cheap dans le sens que <laughs> moi payer 25 fois plus cher quelque chose parce que c'est à Saint Valentin ouais. tu sais j'ai un, un petit une petite affaire tu sais. Mais euh, on est déjà sorti aller souper, on s'est fait un date night. Tu sais, C'est sûr qu'on a déjà fait quelque chose, mais parce que c'est la Saint-Valentin, on dirait que je me pose la question. Là, cette année, on, on songe peut-être aller faire un petit 24 heures parce qu'il y a plusieurs hôtels qui offrent la possibilité d'aller coucher et d'avoir le souper dans la chambre, qu'on respecte les règles COVID. Ouais. En, en fait, ce matin, j'ai fait une chronique, j'ai enregistré une chronique qui va être diffusée demain matin. Puis ce que je dis aux parents cette année-là, c'est l'excuse parfaite pour se commander une bonne bouffe à la maison. Puis quand les enfants sont couchés, on se fait un date parce que on s'oublie. Tu sais, c'est quand le dernier moment qu'on a fait de quoi seul avec notre chum. Euh, ouais. Tu sais, je trouve que l'excuse est parfaite cette année. Ah, c'est la Saint-Valentin. Il y a plein de restaurants qui offrent des menus phénoménales. D'ailleurs, j'ai mangé le menu du restaurant Les Enfants terribles. Euh, oh, j'ai été choyé, ils m'ont envoyé ça pour que je goûte. Là. Oh my gosh, là, tu sais, c'était... C'est tellement bon. Puis, il y ils en a un ont... à Sherbrooke? On a un à Magog, puis on a à Montréal. Oh, okay, Donc, oui. vraiment, on couvre les, les, deux, les, deux, les deux territoires. C'était vraiment super bon. Donc, si on veut se payer une, une, une bonne bouffe, ouais. il y a plein de restaurants qui offrent des menus. Puis en même temps, je me dis, avec tout ce qui se passe, d'encourager le local, c'est super important. Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'on a une belle prémisse cette année pour dire on, on se gâte. Oui, je suis d'accord. Il y en a plusieurs messages. D'ailleurs, Moi, tu dit j'avais complètement oublié que c'était la Saint-Valentin en fait. Elle dit l'important de la Saint-Valentin, ce n'est pas très élevé chez nous. Ça, je trouve ça drôle. Euh, Puis Marie-Christine, elle, qui dit, elle est moitié-moitié. On en profite pour se faire un souper spécial et toujours des belles fleurs de la oh, part de mon mari. Des fleurs. Est-ce que ça, vous aimez recevoir ah, des fleurs? Dites-moi-les en commentaire ou aimez la vidéo. Moi, des fleurs, là, je capote. Ah, moi je, je capote. capote. Mais je capote à l'année. Tu sais, j'en oui. veux pas juste à Saint-Valentin. Sérieusement, j'aimerais ça en avoir là, sur ma table à toutes les semaines, mais c'est tellement cher des fleurs fraîches. Et voulez-vous mon scoop ben, ben oui. Là, je fais une confession, prendre... mais, mais c'est pas une confession. Ah, oui, mais, Moi, ce que je fais là, puis j'ai commencé à faire ça il y a à peu près un an. Quand je vais chez Costco, ils ont toujours des fleurs et il y a une section à 11 et 49. Tu peux avoir un bouquet pour 11 et 49. Alors, une semaine sur deux je me ramasse des fleurs à 11,49, puis je okay. me fais soit un grand bouquet ou des petits bouquets, puis là j'ai des fleurs fraîches dans ma maison pour 11,49. Tu sais, wow. c'est deux cafés Starbucks, là ça. T'sais, dans le fond si oui. tu traites vraiment, là, tu sais, puis tu il faut faire des choix dans la vie. Fait que moi, je suis ouais. plus... Et je trouve que, tu sais, j'en mets maintenant dans ma cuisine, j'ai mon petit spot pour des fleurs fraîches, puis moi, ça me parle, puis me faire offrir des fleurs. Je pense, c'est pas, pas le cadeau préféré que j'aime, mais quand j'en reçois, oh, ah, moi que j'aime ça. Tout, tout le moi... temps. Parce qu'en plus, c'est comme quelque chose qui te rappelle à chaque jour. T'sais, à chaque fois que je passe devant, je trouve ça beau. T'sais, je suis contente puis tout ça. Ouais. Que, oui, des fleurs, je suis bien d'accord. Puis, tu sais, sincèrement, on ferait juste ça à Saint-Valentin, que, que, mm. d'avoir un beau. Que ce soit mon chum ou moi-même, parce que je m'achète des fleurs aussi, parce que j'aime ça. Mais tu sais, ouais. le concept, tu disais tantôt de, de date night, puis je me suis... On a eu une discussion, mon chum et moi, parce que le vendredi soir, on essaie d'écouter nos séries qu'on regarde ensemble. En fait, mon chum est moins série que moi. Moi, je suis très, très. J'essaie d'en trouver une qui va aimer ou là, il écoute Occupation Double. J'étais bien contente. On avait nos vendredis Occupation Double. Là, maintenant, je ne suis pas très Big Brother. Je ne sais pas vous autres. Mais euh, bah, l'amour est dans le pré. Mais tu sais, ça dure juste 45 minutes. Là. Bref, oui. on s'est rendu compte parce qu'il me dit, tu sais, en même temps, Jess, on est chacun sur notre bout de divan, on écoute une série, on n'est pas en train de se parler, là. on n'est pas en train de vivre un moment de couple. Puis au départ, je pense que je mettais beaucoup de pression sur faire des affaires ensemble, euh, pas oublier la flamme, Si ça, ça. Puis à un moment donné, j'ai comme, c'est lui qui a amené la conversation, puis il était comme, Jess, qu'on soit assis côte à côte sur le divan, on ne fait pas plus quelque chose ensemble. Puis j'ai comme fait, c'est vrai dans le fond. Tu sais, je veux dire, je, je, je me mettais beaucoup de pression pour qu'on fasse quelque chose. Puis je me suis dit, on a deux, je, trois jeunes enfants, deux très jeunes. Oui. Tu sais, slackons un peu, puis ça va revenir à un moment donné. Mais en ça ce fait. moment, là, c'est sûr que pandémie, on ne fait pas grand-chose. Mais hors pandémie, mettons, on avait des soupers avec des amis, des trucs comme ça. Fait quand on fait garder, bien, on n'en on, on profite pas ensemble. Tu sais. on fait quelque chose d'autre ensemble, mais on fait quelque chose avec d'autres amis ouais donc, les fins de semaine où on n'a rien, on n'a pas le goût de faire garder. On veut rester avec nos enfants aussi, tu sais. Oui. Fait j'essaie de lâcher prise là-dessus puis de me dire, c'est pas... C'est pas genre, on fait des trucs ensemble, ça va bien, notre couple, tu sais. Je pense que c'est de cultiver ça au quotidien. Est-ce que vous qui euh, êtes là et que vous nous écoutez aujourd'hui, est-ce que c'est facile de trouver du temps pour le couple ou est-ce que c'est difficile? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez une structure, une mise en place ou c'est un peu go with the flow pis c'est le lâcher prise? Surtout euh, en pandémie. Tu oui, c'est. ça. On peut plus aller au cinéma, tu peux plus, tu sais. On peut plus sortir Quoi? après huit heures. Euh, oui, mais nous, on est très euh, je dirais pas. Pour ouais ça fluctue chez nous. Dans le sens que quand on tripe sur une série télé, nous on aime vraiment écouter, euh, tu sais, quand on aime quelque chose, là, on va l'écouter ensemble. Euh, on est très aussi pour se faire des, des sorties 24 heures ou d'aller souper ou autre. Euh, puis là, ben là, depuis qu'on est déménagé, des fois, je lui dis Ah, tu viens marcher avec moi, puis on va aller prendre une marche ensemble, mais tu sais, c'est sûr que les circonstances sont pas propices à ce qu'on passe du temps ensemble, même que des fois, je veux y parler, puis je sais pas quand je vais y parler, parce que ouais. la minute qu'on se met à jaser, il y a un enfant qui retentit, parce qu'il entend tout, tu Moi, j'ai des grands-enfants, <laughs> fait la minute, Puis même puis si, je baisse le ton, c'est comme s'ils savent que j'ai baissé le ton, fait qu'ils viennent encore plus vite, <rire> <rire> <quand t 'as... rire> Non, mais c'est <laughs> vrai, parce que ça fait des années que vous êtes ensemble. Ça fait combien de temps? 18, quoi, de... Euh, Emma, Puisque le 18. Est-ce que ça, ta fille a 18? Fait qu'on est mariés depuis 17 ans. Ça va être 17 ans de mariage cette année. Puis quoi, ensemble, c'est se 19... ben, le, C'est ce quoi justement est ce que c'est quand vous prenez des moments juste à vous deux? Peut-être que moi, je trouve dans le tourbillon, nous, on a eu des enfants quand même rapidement. Oui, ouais, relativement rapidement. Peut-être que je trouve dans le tourbillon, puis j'oublie, puis euh, au contraire, là, je ne devrais pas faire ça, de, de juste faire comme... Hey, okay. Bien, c'est sûr que quand mes enfants étaient petits, là, au moins une fois par saison, on essaie d'aller souper. Okay. Une fois par année, un overnight ou une fin de semaine. Puis quand ils ont eu wow. mes enfants, je te dirais quatre ans puis six ans, on essayait de partir quelques jours par année. Puis ça ça a commencé avec un petit voyage de deux, trois jours. Après ça, euh, mon mari, des fois, avait un voyage d'affaires Fait que je l'accompagnais pendant quatre jours. Fait que à chaque année, on essayait de euh, prendre quelques temps ensemble. Ah, C'est bon. Puis je vais vous dire des vraies affaires aussi, on a consulté, euh, j'ai consulté, on a travaillé sur nos personnes, on a travaillé sur notre couple, tu sais, il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Euh, puis je pense Bravo. que oui, puis moi j'ai pas peur de le dire. Là, tu ah, sais, moi je crois tellement que... à ça. Moi j'ai consulté en solo, mais mon chum, il est pas encore là. Parce que moi, souvent, là, je parle de ça, là, de d'envie. De, tu sais, quand on va avoir un problème, là, on va-tu aller consulter? Parce que moi, je crois beaucoup à la thérapie. Puis il me dit euh, Il est moins, lui. Il est plus comme okay. j'ai pas un problème assez gros pour y aller. Puis je suis comme tu mm. comprends pas, là, la thérapie, c'est la vie. Hum, oui, non, mais je suis un peu de ton avis. Moi, c'est comme si à chaque 3-4 ans, je suis comme due pour un petit tune-up de quelque chose. Puis là, ben on ouais. peut peut-être faire une émission là-dessus parce que moi, je viens d'entamer un, un programme de 10 semaines. Puis c'est vraiment en train de changer ma vie. D'entraînement, de, tu parles là? Non, 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 d'un de, de Le... programme de thérapie là. Ah oui! Mm -hmm. Un programme Donc, de 10 semaines. Fait que c'est une thérapie intensive pendant dix semaines? Oui, puis la manière que c'est… Oh, oui, moi, je pense qu'il faudrait faire une semaine là-dessus parce que je pense que c'est important de, de parler de ressources puis d'outils. Euh, c'est un programme que j'ai commencé, je suis à ma troisième semaine, puis c'est vraiment en trois temps. Donc, il y a une partie où euh, j à chaque semaine, il y a une thématique et okay. là, tu sais, j'ai des vidéos à écouter. Après okay. ça, il y a un travail écrit, puis après ça, j'ai une heure de coaching. Wow. OK, fait que c'est avec quelqu'un. C'est ouais, on accomp pas... accompagnée, oui, je suis accompagnée. Puis, euh, tu sais, le but, c'est vraiment d'être un, un meilleur parent. Vraiment. C'est tout par rapport à la parentalité. Puis à date, là, c'est vraiment, je te le dis, fascinant. Là, à chaque semaine, j'ai pleuré. À chaque semaine, j'ai fait et puis même que je pourrais dire, je suis déjà changée et je vois déjà les effets dans ma vie de famille. Oh, oui, ah, c'est bien beau! On s'en on, on reparlera parce que je trouve qu'il y a plein d'outils qui sont à notre disposition. Puis des fois, on a comme peur d'en parler hein, d'un livre qui nous a marqué ou de un podcast qui ouais. Je pense qu'en tant que parent, en tant qu'individu, euh, il n'est jamais trop tard de un. Il faut pas avoir honte d'en parler. Puis je pense non, que vraiment, euh, ouais, c'est sur la santé mentale à la base, tu sais, avec le <laughs> Fait que nous autres, on parle de, de psychologie, puis de psy, puis de ça. Puis moi, j'étais allée longtemps, longtemps, longtemps en thérapie. Euh, on dirait qu'à chaque fois, par exemple, j'ai je... comme, on dirait que j'y retourne, puis je fais comme, je me suis pas fait assez confiance, tu parce que je suis allée mm -hmm. vraiment longtemps. J'en ai fait plusieurs des psy, parce que ça se magasine, hein, un psy, dans... au sens où il faut que oui. ça clique faut que les deux, ça fitte ensemble et tout. Puis à chaque fois, je suis comme, ah, oh, je suis allée. Puis dans le fond, j'avais les réponses en moi, tu sais. Donc, moi, il y, a un, il y a un travail de faire confiance à mes acquis. Que ça, j'ai plus de misère à aller, à faire comme, ah oui, OK. Tu sais, tout ce bagage-là, tu l'as. Puis même, Laurie, souvent, elle me le dit, elle dit, aurais dû être psy. Puis je suis comme, t'es fine, parce que ça m'intéresse au bout. Tu sais, moi, j'ai fait un, un bac en journalisme avec ma spécialisation en psychologie. Ah, vrai? Puis, mm. Oui, et à la base... Au bac, tu sais, tout le monde faisait euh, spécialisation économie. Tu sais, t'es journaliste, tu te dis, je vais aller dans quelque chose de connexe international. Moi, j'étais comme, il n'y a rien qui m'intéresse à part psycho. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie avec ça, moi, journaliste, psycho, Puis gars, tu vois, ça va, maman. En tout cas, la vie. C'est fou, hein? C'est vraiment... vraiment spécial. Ouais, fait que moi, je crois au bout de ça, puis ça m'intéresse vraiment. J'étais allée voir une fois une coach de vie, euh, pendant plusieurs séances. Et là, faut faire attention parce que là, coach de vie, il y en a plein qui peuvent se dire, coach de vie, il faut que tu fasses attention et tu fasses tes recherches puis que tu ailles voir si elle a des études par rapport à ça et tout. Euh, tu sais, je veux quand même parce qu'il n'y a pas d'ordre. <laughs> comme une, une psy, il y a un ordre. Laurie est toujours « by the book ». Elle me dit « Ah, mais l'ordre, il dit ça, 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 ça. Je peux faire ça, ça, ça. » Tu sais, ça, c'est rassurant d'avoir un ordre. Alors, c'est pour ça que je vous dis coach de vie, j'irai plus avec des euh, des... Euh, comment tu dis ça? Des euh, références de quelqu'un. Oui. Et puis, c'était une, une médecin de famille qui avait, qui avait donné ce, ce nom-là en référence à une amie qui me l'a donné. Bref, j'ai vraiment adoré, adoré. Puis ça, ça avait ancré en moi le besoin. C'était après les jumeaux. Je venais d'accoucher des jumeaux, puis j'étais vraiment perdue. Là. Je ne savais plus ce que je voulais faire dans la vie. Puis ça avait comme ancré en moi le balado. Mais mm -hmm. c'était pas du tout l'idée de Savo-Maman à la base. Là. Mais tu sais, étape par étape, un pas à la fois ça avait ancré le balado après ça, ça j'ai rencontré Laurie puis ça en est suivi ce qui est, ce que c'est devenu aujourd'hui mais quand même ça m'avait quand même aiguillé à partir de moi tu sais à partir euh... de ces exercices pratique un peu comme tu hey. disais. C'est intéressant. Puis je me demande, est-ce un sujet que vous aimeriez qu'on aborde aussi? Parce que je pense que, je oui. Pense que ça va être. oui parce que regarde, on a Mélanie qui nous dit euh, un retour en thérapie depuis la semaine passée. Résultat, ça secoue beaucoup les émotions. Je comprends tellement. J'ai booké deux nuits solo à l'hôtel pour la Saint-Valentin. Wow! Je suis trop fière de moi. Eh hey, bravo! Parce que c'est un peu ça aussi, hein? Tu sais, l'amour, c'est du self-love. Puis ça me fait penser ce matin, il y a une, une, une compagnie canadienne qui vend des cotons hoté. Puis ils viennent de lancer leur collection, puis c'est marqué Ah, oh, il faudrait que je retrouve euh, ça parle de love, puis après ça, ils font comme une espèce de triangle, puis ils mettent self-love puis je trouvais les ah, cotons tes ouais. beaux. Je vais trouver le lien. Oui, euh, cherchez genre. Oui, parce que moi, j'adore ai ça. Le... Ah oui. J'adore ça. J'ai besoin de m'acheter. Tu vois, je suis dans le... <laughs> On tourne dans le magasin. Oh, sur Shopping. Um, c est c est la besoin. compagnie canadienne Brunette, the label. Ah, c'est All you need is love. Puis là, ils mettent self-love. C'est vraiment beau. Alors, je mets le lien ici. Vrai. Puis là, j'ai comme un issue quand que, parce que là, j'utilise une plateforme là, pour diffuser notre direct. Puis quand j'écris, ça ne va pas sur le Facebook de suis une maman. Fait que ah, mais non, je vrai, mettre... ça va sur ton YouTube en fait. Ouais, fait que là, je vais essayer de, je vais voir si je fais juste ça ici. Si ça marche, je fais juste Facebook. Ben non, ça marche Mais en pas. attendant, gars, tu vois, je vais lire les autres messages. Oui. De Marie-Christine mmh. qui dit, ouf, non, surtout avec un bébé de 8 mois qui se couche tard, on parlait des... Oui. Le couple, Mais quand les enfants sont couchés dans notre 30 minutes, on écoute district 31, j'y tiens, c'est notre moment de la journée. Je suis bien d'accord. Ah, ça, j'aime ça. <laughs> Puis, il y a mode aussi. Euh, eh bien, écouter une série avec mon chum, c'est aussi ce que je fais, ce qu'on fait en ce moment ensemble. Je pense que c'est un moment de tranquillité pour qu'on s'offre, qu'on s'offre, en fait, et ça fait tellement de bien. c'est vrai. Ah. C'est vrai, au fond. Quand c'est <laughs> Puis... juste ensemble, dans le fond. Puis je me demande, on pourrait juste bifurquer, ça me fait penser, y a-t-il des séries que vous écoutez avec votre conjoint? Tu sais, qui est un hit? Parce que ça aussi, c'est pas toujours facile de trouver l'émission à écouter avec votre conjoint. Donc, mmh. si vous avez des coups de cœur à nous proposer, euh, toi, Jess, y a-t-il quelque chose que tu écoutes qui euh... On est en train d'écouter euh, euh, voyons avec la, 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 les échecs là, sur Netflix? Les échecs. La... Mais oui, On fait un jeu. Un jeu. Oui, c'est ça. Devine ma série. Je suis sûre que quelqu'un va le deviner et va oh, arriver oui. dans le chat. Ça me fait très rire, ça. Oui, mais c'est. Euh... Ou... Ah, oui, oui, oui. C'est euh, La Reine des Échecs. Non, c'est quoi, donc? Uh, The Queen's Gambit, en anglais. Ah, c'est bon, quoi! Hein? Euh, oui, bien, à la base, j'étais comme pas sûre. Puis euh, finalement, j'ai trouvé ça bien bon. C'est pas Bridgertown. Uh, Bridger... Bridgertown? Brid Bridgerton. Bridgerton. Non. Qui ont, ont oui, d'ailleurs. Un... Ils ont commencé à tourner la saison 2. Ah oui? oui! Oh mon Dieu, finalement, ils ont pu, hein, parce qu'il y a beaucoup de scènes de... romantiques. Mais par contre, tu vois, moi, c'est du self-love. Les films d'amour, puis mes films à moi, puis mes séries à moi, j'aime sur les écouter toutes seules. Parce que moi, je suis très intense, en plus, dans la vie. fait que je pleure, puis je, je, je. Moi, La Reine des Neiges, là, le deuxième, quand Elsa, t'as-tu vu là, la deuxième, La de Reine des Neiges? Hey, oui, oui. Qu'est-ce que quand tu trouves, Elsa? Quand ça, elle, elle, elle se rend compte que le cinquième élément, je pleure. Tu sais? Je, je suis très intense. Et donc, euh, fait que j'aime ça pouvoir vivre mes émotions pour mon chum, il rit tout le temps. Avec amour, mais il rit quand même, tu sais. Oh, puis, ah. puis moi, j'aime ça les vivre pleinement. Fait que j'aime ça les écouter tout ça. Puis d'ailleurs, on va faire une une, une émission parce qu'on va jaser de séries puis de films. On l'a déjà fait, mais on en a tellement oui. d'autres. Mais oui. avec mon chum, nous en ce moment, on en fait, on a beaucoup tripé sur. avec ah, genre un blanc de mémoire avec Claire Danes, Homeland. On oui. a tripé. Homeland. Ça, là, c'était une série qu'on a écoutée ensemble, qu'on a beaucoup aimé. Mais là, oui. présentement, on capote sur Yellowstone. On capote. Yellowstone, c'est sur on quoi capote. Quelle plateforme C'est sur la plateforme. Prime et c'est une okay. série mettant en vedette Kevin Costner. Moi, je suis une grande fan de Kevin Costner, je l'aime beaucoup. Et c'est l'histoire. Comment vous résumez ça? Euh, Kevin Costner, il est père de famille, il a quatre enfants et il vit sur un ranch dans le Montana. Donc oh, déjà, ça me tente. Le, le la prémisse là, le, où il filme l'émission, c'est à J'étais par terre tellement c'est beau et euh, c'est l'histoire du c'est quoi ranching en français avoir un ben, avoir un ranch oui tu sais du... quand, quand tu as des animaux sur un ranch là, le cattle puis tout ça c'est quoi c'est comme ils... parce que je pense un pas que c'est... mais c'est pas <laughs> fermier tu sais ça va au delà de tu sais euh, quelqu'un peut m'aider ouais, Oui, mais ranch euh, d'après moi c'est beaucoup Texas. c'est beaucoup tu sais il y a peut-être pas de terme euh, francophone un ranch Orange. Mais en fait, c'est ça, c'est l'histoire de cette famille qui euh, a ce ranch depuis des, des, des dizaines d'années. Et comment ça dit, se passe? Ça parle, dit quoi? vacherie en français, ah, mais je vach... sais c'est vrai. Euh, c'est pas très puis... beau. C'est comme un autre monde, le ranching aux États-Unis. Et okay. c'est vraiment l'histoire de comment ça se passe en 2000, dans les, dans les années 2000. Alors, c'est fascinant. C'est sûr que c'est dramatisé parce que c'est une série dramatique, mais c'est incroyable. Cette série-là, là, euh, tu sais, la première épisode, ça commence slow, mais après ça, ça part. Écoute, on est complètement sous le charme. On est fasciné. Le casting est extraordinaire. Extraordinaire. Euh, et puis là, tu vois. Euh, ça a été renouvelé pour une saison 4 et la saison 4 va, comment, va être diffusée au mois de juin. Donc là, on peut écouter les trois premières saisons. Je vous le dis, là, si vous cherchez avec votre chum, euh, pas d'enfants, vraiment pas d'enfants, euh, parce que c'est un peu de violence, mais ah. euh, c'est fascinant. Puis le décor... un ranch, Genre, C'est quoi la différence entre un ranch et une ferme, mettons? Ben, en fait, un ranch. Ronds, des ronds, semble, oui, des... mais en ranch. fait, c'est un euh, ranch. Je sais pas, c'est. Mais en fait c'est comme un immense domaine c'est comme des, un domaine avec ils ont des, des dizaines et des dizaines de ancs puis c'est tout de, de les les, les bœufs de c'est comment ils, ils en prennent soin puis leur business que si quelque chose va pas bien tu ils perdent leur revenu puis tu penses qu'ils ont beaucoup d'argent mais d'un fond, ils en ont pas tant que ça puis toutes les passes droit c'est comme un autre monde c'est pas comme euh, la ferme laitière du Québec là tu il y a pas vraiment euh, tu sais, c'est comme... En tout cas, j'ai l'impression de mal m'exprimer. Non, non, mais, mais... ça me fait de curiosité. Puis moi, tu me dis Kevin Costner, puis je l'aime bien aussi. Écoute, moi tu Kevin... Depuis The Bodyguard. God. Oh, my God. Ah, oh, mais moi, moi, le Kevin Costner, c'est Message in a Bottle. Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement triste, ce film-là. J'ai tellement braillé. Oh, écoute... écoute... J'ai tellement braillé, mais en fait, tous les livres de Nicholas Sparks ben qui oui. sont en film, mais je braille ma vie. Moi avec. Moi avec, mais ça, c'est ce film-là, ça m'a achevé, là, là. tu sais. Mais tu sais, avec Meg Ryan aussi C'était Kevin euh, Costner puis Meg Ryan, non C'est qui C'était pas. La fille? pas euh... Attends, message in a bottle. On fait un autre quiz. Qui a oui. joué avec Kevin Costner dans Message de Déjà, in a vous pas, êtes donc... bon parce que vous avez répondu. C'était pas Diane Lane, non Message. une bouteille à la mer, je vais aller te trouver ça. Ah oh, non, c'est une toune des Rolling Stones. I, je mets ça ici. Jennifer ouais. qui dit qu'elle écoute euh, Virgin River suite à nos conseils et elle adore. C'est tellement de bonne émission Virgin oh. River. C'est vraiment bon. Attends, je l'ai trouvé. C'est Robin ah. Wright. Oui. Puis Robin elle ajoute dans un autre film que j'ai fait écouter à mes adolescents, Life as a House. Euh, ce film-là, si vous avez des ados, vous devez écouter ce film-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de messages par rapport à la vie puis à la famille. Euh, puis je ne veux Mais pas dévoiler de punch. L'enfant puis le père, ça s'entend pas super, hein? Puis il construit une maison. Mm -hmm. Oui, c'était bon ça. C'est bon. écoute, j'ai brûlé ça aussi. On fait puis... juste une, une émission de <laughs> émission de séries télé et de films. Pis, je suis terminée avec Mélanie qui dit qu'elle l'a pas accroché sur Bridgerton, mais elle vient de commencer Little Fires Everywhere, puis moi aussi, je viens de le commencer, puis <laughs> c'est vraiment très bon. Là, je suis rendue à l'épisode 4 ou 5, euh, puis Catherine Heigl, je l'ai toujours aimée parce que je suis une fan de Grey's Anatomy, donc j'étais contente de la revoir dans une série. Euh, puis oui, ça, c'est très bon, Comme mais je plus que Elle, vie. elle est pas là-dedans. Elle n'est pas dans Little Fire Everywhere. Ah, c'est C'est Reese Witherspoon puis euh, Kerry Washington. Oui, c'est ce quoi, moi c'est Firefly Fire Lane. C'est la nouveauté de Netflix ah. qui a droppé la semaine passée. Puis Catherine Heigl est là-dedans. Puis excuse-moi, Little Fires Everywhere, c'est Carrie Washington. Puis Reese oui. Hey, oui! moi, je te faite pour être, genre, euh, chroniqueuse d'émissions. <laughs> oui, la seule affaire, c'est chroniqueuse culturelle. On ne peut pas juste parler de ça. Fait que là, on a notre plateforme. On peut. Mais euh, je bien, chroniqueuse d'émissions. c'est ça. <laughs> oh, c'est juste chroniqueuse télé. Puis, euh, Ça, film. Mais oui, je suis euh, bien d'accord. Euh, puis, tu vois, Marie-Noël a dit, c'est pas récent, mais j'ai écouté Gossip Girl avec mon chum. Ben, Gossip ah, Girl, ton chum? Oui, il est hot, ton chum. Ah, avec même? Il gagne des points? Fait que tu écouteras Bridgerton après. Parce que Gossip Girl, ouais. tu vas voir, il y a des... Euh, des c'est sûr. C'est un bon fit, oui. Oui, effectivement. Fait que, oui. T'avais pour nous... Euh, T'avais des petites recommandations pour la Saint-Valentin de lecture avec nos enfants? Oui, j'ai reçu ça de la bagnole et je trouvais ça génial parce que vous êtes peut-être plusieurs à aimer la doudou, hein, la doudou de Claudia La Rochelle. Hey, je pense qu'elle a vendu en pandémie 50 000 livres de la doudou. Quoi? 50 000. Puis euh, c'est un nouveau. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est cartonné. Alors, je pense beaucoup aux mamans de très jeunes enfants. Puis les garçons, moi, ils détruisent tous nos livres. Puis en fait, c'est euh, la doudou aime mes bisous fait qu'ils vous proposent de donner des bisous comme, mettons, ici, oops, le lama. Ah. Qui se donne des bisous de sur les serpents. Puis là, ils vous proposent de tirer la langue, de faire plein d'affaires. Fait que c'est super le fun avec les tout petits. Puis faire des câlins comme des tortues. Tu vois, j'ai de la misère. À... Puis tu me disais avant qu'on commence que c'est euh, disponible dès demain. Oui, 10 février, ça sort de la bagnole. Alors, il y a la doudou et il y a Maurice la saucisse. Et je trouve ça très drôle, c'est aussi la bagnole. Puis ça sort demain. Et ils, ils apprennent en fait aux enfants à flatter le chien. Là, là tu fais bon. la forme du chien. Puis là, tu flattes Maurice la saucisse dans ce sens-là, cartonner aussi. Puis après ça, tu peux faire les, les cercles. Là, tu fais un cercle, là, ils dit de flatter le chien. Euh, tu peux faire le carré. Fait que ça leur apprend leur forme en même temps. Je trouve ça tellement mignon. Alors je remercie la bagnole de m'avoir amené, de m'avoir envoyé les deux livres. Ça vous, euh, ça vous, tente dès demain. Un petit cadeau de Saint-Valentin. Donnez-vous des cadeaux, vous à la Saint-Valentin. Toi, t'en donnes-tu Non. Jamais donner non. de cadeau à tes enfants à Saint-Valentin Plus je un chocolat, genre, que... genre chocolat peut-être. Pyjama. Euh, on a souvent fait des fondus au chocolat. On a un rituel de famille à la Saint-Valentin, mais il n'y a pas de cadeau. Fait que c'est quoi votre rituel? En fait, j'ai commencé ça quand les enfants, ils étaient tels, ils étaient petits, ils n'étaient pas capables d'écrire. Et euh, c'est un rituel fort simple. Euh, souvent, ça se fait autour d'un chocolat chaud d'une fondue. On s'assoit et là, je prépare pour chaque personne euh, chaque personne a trois cartons de couleurs différentes. Puis une couleur, c'est pour chaque personne. Donc, on a, il y a comme je prépare douze cartons. Okay. Et puis, euh, c'est ça? Ouais, trois, quatre, douze. <laughs> et là, on doit pour chaque personne écrire trois qualités, trois choses qu'on aime de la personne. Puis quand mes enfants étaient petits, on prenait chacun un enfant puis il nous disait ce qu'il voulait dire pour chacun, fait qu'on écrivait. Et puis après ça, on fait un tour de table et on. On se parle de ce qu'on apprécie, ce qu'on aime euh, beau. Ouais. Et on fait ça depuis des années. Ben là, quand mes enfants étaient assez grands, ben, ils étaient contents d'écrire leur petit carton, tout ça. Puis on peut garder les petits papiers. Euh, donc, pour moi, c'est un peu ce que je disais. Ça nous ramène à la base, à l'essentiel. Puis ça nous permet un moment ensemble. tu ne peut pas être, c'est juste du positif. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis, euh, écoute, ça doit faire euh, 12, 14 ans qu'on fait ça. Ah, mm -hmm. Je vais voler ton idée, je trouve ça génial, oui. en plus ça permet la communication, puis de jaser avec les autres. De oui. ce... Même à dos, ça leur dérange pas, là. ils ne trouvent pas ça cucu ou genre. Ben, parce euh... qu'en fait, c'est sûr que là, ils vont rouler des yeux, là, mais ils l'ont toujours, toujours fait, fait c'est sûr qu'on n'arrêtera pas, c'est un peu, une... la. Je j'ouvre une parenthèse, quand c'est la fête de mes enfants, puis dans le temps où on pouvait avoir des amis à la maison, puis c'est leur fête d'amis, euh, la même tradition était... Euh, il ouvre les cadeaux des amis, tu qui, qui, ouais. reçoivent il doit faire un petit speech de remerciement, puis avant de manger le gâteau, euh, on fait un tour de table, puis je demande à chaque invité, tu qu'est-ce que vous aimez d'Emma ou qu'est-ce que vous aimez de Philippe, puis quand le tour de table est passé, c'est à Emma ou Philippe, peu importe c'est leur fête, de faire le tour de table puis de dire pour chaque tu sais pour chaque ami qu'est-ce que tu, tu aimes de lui ou de elle, puis juste pour te dire à quel point ça l'a c'est resté cette année Emma a eu 18 ans en janvier, donc elle a eu de mais ses amis ont fait un FaceTime et ses amis. Qui ont été à des fêtes depuis plusieurs années, ont décidé de faire ça pour Emma. Ils ont fait un tour de table, oui, tu sais, ont... virtuellement, oh! pour dire à Emma, tu sais, moi, j'ai des, des frissons là. <laughs> euh, non, on doit dire que quand que tu sèmes là des petites choses, ben ça reste. Puis les, les, les enfants, que ça faisait plusieurs fois qu'ils s'en rappelaient qu'on faisait ça chez nous aux fêtes. Euh, donc c'est quelque chose qui euh, est resté. Puis quand j'ai su qu'il avait fait ça pour sa fête cette année, quand ils l'ont appelé virtuellement, je me dis ah, bon ben pleuré? bravo. Ah, ah, ben oui écoute je ben en fait ça m'a ému ça m'a ému de voir que tu sais on s'aime, puis des fois on se demande ça va-tu amener quelque part mais oui puis tu sais je veux pas dire que tu sais c'est une idée comme comme d'autres puis on a tous nos petites idées mais je me dis je suis certaine que dans ces filles là elles vont être maman un jour puis je pense qu'elles vont faire ça avec leurs enfants puis si oui. c'est le cas pour une personne je vais faire check tu sais mm. C'est donc une bonne idée. Oui, mais moi, je suis de tradition, puis j'aime ça parce que là, j'ai ma famille, fait que je peux créer de nouvelles. Fait que c'est vraiment une bonne idée. Puis est-ce que les petits-enfants, les enfants, ils, ils, ont toujours, ils ont toujours pris part, tu sais, Ils ont toujours fait comme... Toujours. Euh, oui, oui. Et en ah. fait, en tant que parent qui mène le party, là, puis que tu es chez quelqu'un, tu amènes ça d'une façon... OK, c'est pas comme tu n'as pas le choix, là. Bon, puis, tu ouais, ouais. guides. OK, mais qu'est-ce que tu qu que as à dire, toi? Puis c'est sûr que ça... Tu sors de ton zone de confort puis c'est sûr que si un enfant voulait pas vraiment pas le faire ou pas parler ou t'es bien gêné je l'aurais pas forcé mais c'est euh... tellement de façon naturelle puis tu c'est comme les gens savaient qu'on allait le faire donc euh, ça s'est bien passé t'sais. parce que tu sais une fête c'est c'est souvent unidirectionnel mais moi c'était bien important que on redonne c'est euh, donc c'est les synonymes hein <laughs> ta fille ça lui apprend qu'elle faut qu'elle fasse le tour de toutes les amies. Non, mais oui. c'est vraiment une bonne idée pour rester une blague, mais c'est vraiment une bonne idée. Merci. Puis une autre idée pour la Saint-Valentin, c'est... Les gens qui aiment faire des décomptes, euh, quelque chose que vous pouvez faire, puis on est quand même à quelques jours, donc vous pouvez commencer dès ce soir, c'est euh, durant la nuit, mais quand vous vous couchez puis vos enfants dorment, vous mettez un cœur sur la porte de votre enfant avec un petit mot, une petite qualité, un mot doux, une blague, tu sais, ça peut être une variante d'éléments. De, de, et donc, à chaque jour, il va se réveiller avec une nouvelle surprise sur sa porte et ça fait vraiment comme un petit décompte vers la Saint-Valentin mais un décompte positif, tu rempli d'amour, rempli de belles pensées. Donc c'est un, un une petite chose que j'ai vu passer, Je dis, ah ça c'est une belle idée là, oui. pour euh, propager l'amour, et propager du positif. Oui, ah oh oui, t'as bien raison. Mais moi, décorer, justement, puis je trouvais ça cool parce que je l'ai toujours fait, même quand je me levais à 3h du matin, puis que c'était la Saint-Valentin, la veille au soir, je me couchais, j'attendais qu'il soit couché, puis je décore. Je mets des cœurs partout, puis des ballons. Souvent, j'achetais des, des euh, gonflés à l'hélium pour qu'ils qu soient accrochés sur chacune de leurs chaises. Puis cette année, ma fille a 4, à quatre et demi, presque cinq, elle, elle a fait Maman, il va-tu avoir des cœurs partout à la Saint-Valentin Puis j'étais comme ah. oh, Tu sais, ça a comme, hein? T'as comme resté. Ouais, j'ai comme fait ah oh, tu sais je fais pas que je fais pas ça pour rien parce que j'aime ça, j'adore ça mais mais c'est sûr que des fois le soir j'étais fatiguée puis j'étais comme Ok, c'est vrai, faut que je le fasse parce que j'y tiens, tu sais, à leurs yeux le lendemain matin. Puis là, ça a donné quelque chose que je trouve ça. Est-ce que vous avez, vous, à la maison des rituels pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous avez quelque chose que vous faites année après année ou quelque chose que vous voulez instaurer cette année? Euh, toutes les idées sont bonnes. Puis, tu sais, c'est en jasant qu'on peut se dire, ah, j'aimerais ça, essayer ça. Ou, ah oui, ou je voudrais peut-être prendre cette idée-là puis la modifier à telle, telle façon. Donc, je suis curieuse, là, de, de, de savoir. Oui. Puis, combien de gens vont faire une fondue au chocolat? Si c'est <laughs> votre cas, là. Aimez la vidéo. Je suis sûre qu'il va en avoir plein. puis c'est correct. Parce que c'est comme une bonne prémisse pour manger des fruits et du chocolat. Ouais. Ben, mmh. si vous voyez la quantité de chocolat que mes enfants mettent dessus, c'est, moi, version enfant, là, version tout petit, c'est plus le papier ciré sur la table. Tu mets tous tes fruits puis tes, puis là, tu coules le chocolat dessus. C'est moins pire. Parce que sinon, les miens, c'est la cuillère dans le pot de chocolat, puis en haut et sais. Puis là, ils ont, ils ont mangé ça euh, de banane. Puis en plus, ils, ils double-dip, une chance qu'on est en pandémie, puis qu'on voit pas personne, parce qu'évidemment, ils mangent un petit bout. Ils retournent le chocolat encore. Fait que, ouais, effectivement. Mais oui, on veut vous lire si vous avez des, euh, des traditions, puis. Moi, j'aimerais ça en une pour la maman, pour juste de moi à moi. Parce que quand tu disais self-love, on, mm. on pense souvent aux autres à la Saint-Valentin, mais pas à soi. Fait que cette année, sérieusement, je pense que c'est comme juste de t'acheter des fleurs toi-même, de ne pas attendre que ton chum le fasse ou de te commander, je ne sais pas moi, des, des tisanes chez David City ou de, tu ou de, je ne sais pas, de, de il y a sûrement des affaires qu'on peut faire gratuites aussi là, pour ça. Oui, mais moi, j'allais dire, tu sais, moi, là, ce que j'aimerais faire, puis là, je peux pas parce qu'on est en train de, de retravailler notre salle de bain, mais j'ai tellement hâte au jour où je vais dire, bon, ben, pour la prochaine heure, je ne suis pas disponible et je me coule un bain avec un petit snack, puis mon petit Netflix à côté de moi pour écouter quelque chose, puis je m'évade une heure chez moi, puis je me fais un masque. Tu sais, je suis zen. Euh, pour moi là, c'est euh, juste une petite heure de type prendre soin de moi, mon corps. Euh, euh, moi, ça me fait le plus grand débit. Puis vous allez trouver ça niaiseux, ce que je veux dire là. Mais des fois, tu sais, on se sent coupable de prendre du temps pour faire des choses pour nous. T'sais. Puis le week-end passé, le week-end d'avant, je suis allée dans ma chambre pendant une heure juste trier mes vêtements, faire du ménage dans mes affaires. On dirait qu'on ne prend pas le temps de faire ça pour nous. Puis c'est oui, je faisais une tâche que je devais faire depuis X temps. Mais ça m'a tellement fait du bien, je me suis mis un peu de musique, j'étais dans, dans mes affaires. Tu sais, tu es dans ouais. le bon vieux temps où tu es dans ta chambre et tu fais tes choses pour toi. Donc, tu sais, euh, même si c'est plier du linge, trier du linge, essayer des vêtements bah, tu sais, juste de t'accorder ce temps sans culpabilité, avec zéro, tu sais, gros zéro. C'est tough, c'est tough. Il faudrait qu'ils soient couchés pour que je m'accorde ce temps-là, je pense, pour l'instant. Ah oui? Pour l'instant. oui, ils vont venir ouvrir la porte, puis ils vont venir sérieusement. c'est pas un âge évident. Mais je suis d'accord avec toi. Puis pour vrai, même la porte de la salle de bain, ils vont faire. Tu ta barre, là, puis là, ils font juste comme essayer. Ça va être ça. Mais quand ils sont couchés, par exemple, je pourrais très bien. Puis c'est pour ça que j'ai le goût, de mon envie. Là, trois semaines, je vous ai parlé de mon salon. Là, c'est ma chambre le goût d'avoir quelque chose dans ma chambre, tu sais, de, avec des chandelles, avec... Là, ma chambre a l'air de, de rien, tu sais. là, Je me suis dit, pour moi-même, qui reste dans mon lit pour lire puis pour prendre du temps, je recommence à faire ça un peu, là que j'ai le temps, le soir. Euh, c'est ça, mon prochain projet. Puis ça va être du mois à mois. Fait que dimanche, je vais peut-être m'acheter quelque chose pour la chambre, pour ma chambre. Mais qu'est-ce qui se passe avec le salon? Est-ce que c'est résolu? Pas en tout c'était ah. encore euh, qu'est-ce que je fais là on, à cause du, du, du foyer au euh, du, du poêle à bois qu'on s'était parlé euh, il y a deux semaines ou la semaine passée je, je suis là-dedans là, puis je me dis oh, ça serait beau puis oh, ça serait le fun puis ce on... non c'est pas résolu mm. c'est pour ça que je voulais aller chez Kia un matin ma <laughs> mère a dit tout en spécial il y a même des divans puis il y a même des si je comme ah ouais putain moi, je peux aller euh, je, je me demande si euh, avez-vous des questions pour nous ça se pourrait que vous avez des questions commentaires, n'hésitez surtout pas à, à nous les faire parvenir en commentaire. Ça va nous faire un plaisir de vous lire. Et en attendant, il euh, y a Eloïse qui dit que la Saint-Valentin c'est trop commercial pour son mari. Mais, mais je pense que tu sais, je pense que c'est il y a plusieurs gens qui pensent que c'est trop commercial. C'est correct aussi. Hmm. Dis-tu qu'il t'achète des fleurs le lendemain de la Saint-Valentin? ça sera plus commercial. <laughs> ça peut être. Un... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est commercial, mais ça ajoute quelque chose au euh, à l'ambiance. Tu sais, non. Aussi, c'est commercial, mais et que et que c'est important chez nous. Puis juste à la garderie cette semaine, ils font des boîtes. Puis euh, d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je le fasse. Ils font une, ils ont une boîte à l'entrée, puis on peut écrire une lettre à notre enfant qui vont lire. Euh, deux vendredi de suite pour la Saint-Valentin, c'est cute. Toi aussi, faut que tu faire ça? J'ai oublié de le faire pour mon garçon. C'était aujourd'hui? Je sais plus. Écoute. Mais moi, c'est vendredi. Fait que j'ai le temps encore. Mm -hmm. Mais ils se le font entre eux aussi. C'est ce que je trouvais beau. Tu sais, ils, ils laissent la possibilité aux parents, mais pas de pression aux parents <laughs> non plus. Fait que entre, mets-toi une note. Là. Je m'envoie, je m'envoie un courriel. C'est ça. Fait que, ah, euh... Philippe. Euh, mais c'est ça. Puis entre eux, ils se font des petits mots. Fait il y, a, il y a quelque chose, c'est comme une occasion de faire des bricolages de Saint-Valentin. Puis c'est l'occasion. Après la Saint-Valentin, c'est Pâques. Puis bon, il y en a plein des. Moi, je, 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 je suis attachée à ces affaires-là. Oui. Vraiment. Non, non, Même je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, on n'ira pas au super resto, là. Mais ben, par contre, là, tu m'as donné le goût d'en de, de commander. Puis des sushis, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé. Fait que ça se pourrait qu'on commande des sushis, mais mais c'est juste une occasion de faire, ⁇ Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé au resto, ça fait longtemps qu'on en a pas commandé. Non plus, faisons-nous plaisir, tu sais. Puis, on s'achètera <laughs> pas des grosses patentes, là. Juste des fleurs, je vais être bien contente. Hein, Gabrielle? puis <laughs> tu sais je trouve que tu sais euh, surtout cette année là se payer une bonne bouffe à la maison au juste du take out d'avoir congé de repas tu sais euh, tu sais il y a des gens qui je, j'ai lu quelques commentaires de gens qui jugeaient les gens qui partaient à l'hôtel parce que quand tu vas à l'hôtel ces temps-ci, il n'y a pas grand-chose que tu peux se faire. T'sais, les piscines, les gyms sont fermés. Mais tu juste le fait de t'encabaner dans une chambre d'hôtel pendant 24 heures puis de commander du service à la chambre puis de faire le plus gros des bordels puis après, c'est « bye <laughs> ». Je <laughs> peux comprendre, tu sais, je peux comprendre que des gens qui ont besoin de s'évader puis de, de mettre leur masque puis d'aller se promener dans, dans les rues, à l'extérieur puis juste de, tu sais, de faire un lâcher-pris sur tout. Oui, Donc, tu sais... Et... Beaux hôtels situés, puis je, je, dans le bout de Sherbrooke, en plus, où c'est-tu, Magog, oui. euh, que tu as la vue sur le lac, puis le, je veux dire, oui. j'ai pas ça dans ma chambre, là. Je, veux, je comprends pas que les gens jugent, en fait. Oui. Si tu as les moyens de le faire, parce que ton budget vacances, tu l'as pas dépensé, justement, puis que tu as le goût de faire ça, pourquoi pas, tu sais? Oui. Je Donc, les je, les je peux, exactement. Donc, tu sais, il y, y, a, y a plein de façons où on peut, tu sais, c'est ça, s'accorder du temps pour comme, ah, et en même temps, euh, et... la dernière fois que j'ai fait quoi avec mon chum tout seul, c'est du 5, le 5 janvier 2018. <laughs> oui, oui, qu'on est sorti, qu'on a fait garder les enfants pour faire quelque chose les deux ensemble tout seul, c'est le 5 janvier 2018. Fait que c'est pas grave hein? euh, Marie-Christine nous dit l'importance des rituels. Toi, Marie-Christine, avez-vous un rituel que vous faites à la Saint-Valentin avec les enfants? Euh, moi aussi, c'est bien important. Tu sais, puis on en a pas beaucoup. Puis souvent ils sont très simples, mais je pense que c'est ceux-là qui restent. Tu sais, quand c'est trop compliqué, là? T as bien raison. mais c'était beau les cartons. Pour vrai, moi, je me l'ajoute dans les miens. Bon, peut-être que ça va être difficile à passer. À quel âge tu as commencé ça? Probablement oh, trois ans. OK. Quatre ans. Bon. Quatre ans, non, quatre ans. Quatre ans puis six ans. Oui, quatre ans, ils comprennent bien, effectivement. Oui. Mais oui, ajouter des rituels, moi aussi, je trouve ça important. Ça nous fait quelque chose à avoir hâte. T'sais. En pandémie, c'est pas facile en ce moment. Puis moi, c'est pour ça que je garde ma routine bien routinière. C'est-à-dire que le vendredi, je veux que la fin de semaine soit différente de la semaine. Fait que j'ai hâte au vendredi. Quand j'arrive le vendredi, je suis contente d'arriver au vendredi, tu sais. Je vais me prendre un verre de vin le soir. Je vais essayer de ne pas en prendre dans la semaine. Je trouve ça important d'avoir hâte à des petits trucs comme ça. Fait que la Saint-Valentin, c'est une de plus. Tu sais, Pâques, Pâques, Pâques est plate, hein, Pâques? Pâques, elle m'attire moins. Mais Pâques, c'est un long week-end. Ah oui, c'est un long week-end. Bon, tu vois? puis c'est nous il y a la relâche dans mon cas à moi il y a la relâche dans deux semaines déjà ça se peut tu il reste à temps une deux dans deux semaines ben voyons il faut être créatif pour la relâche en plus année. je pense que ça pourrait être un sujet de la semaine avant la relâche donner plein d'idées à comment qu'on va faire pour passer à travers cette semaine là ouais ben comment va se passer dans le sens où tu sais c'est pas la pandémie The cat sat on the C'était la pandémie mars, mettons, à partir du 13. Oui, C'est ça parce que moi je, moi, je suis en voyage à ce moment-là, la semaine passée, l'année passée. Oui, l'année passée. Oui, mais tu sais, dans le sens où, là, je pense qu'on s'est habitué, tu sais, l'humain s'habitue ouais. à tout. On est habitué d'être confiné, on est habitué. Je dis pas qu'on n'a pas hâte, là. Je ne suis pas en train de dire qu'on trouve pas ça dur, mais je pense qu'on s'est habitué versus mars passé, à partir du 13, avril d'abord, où on lavait notre épicerie, où on capotait ben raide, où, euh, écoute, je me rappelle, là, on était en, en, en mode... Survie, là, puis en mode choc, puis on s'est quand même débrouillé, on a été créatif. A... Il y en a qui se sont mis à faire du pain, bon, tu sais, il y en a qui ont fait des bricolages extraordinaires, puis il y en a qui ont appris à apprécier chaque moment. Fait que je pense qu'à la relâche, ça va être un peu ça. Je sais pas, j'ai pas d'enfants qui vont aller en la relâche, mais si, mettons, ils étaient à la maison toute la semaine, en même temps, les miens, ils haïssent pas ça, je te dis, qui aiment bien ça, rien faire. Je me suis rendu compte la fin de semaine là, que quand je, je planifie pas, comme on va aller dehors, on va aller il s'invente. Bon, en fait, ma fille fait elle ça, puis elle embarque ses frères, puis ils n'ont pas le choix de faire Anna, puis euh, Olaf, puis toute la gang. Là. Mais ils trippent, puis ils font juste courir, puis je suis comme, ouais. c'est plate votre jeu! Mais eux, ils aiment ça. Tu sais? à, um, à l'écoute d'eux autres, en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis euh, avant qu'on se dise au revoir, parce que l'heure se termine, je serais curieuse. On, on a comme parlé de plein de sujets. Donc pour les semaines à venir, qu'est-ce qui vous intéresse On a parlé d'organisation, on a parlé de santé mentale, on a parlé de la relâche. Euh, il y a d'autres sujets euh, que vous aimeriez qu'on aborde puis qu'on amène un truc, astuces, euh, information euh, pour euh, pour en jaser avec d'autres. Donc euh, tu sais votre top 2. Oui l'heure. Est-ce que là on a mis, mis ça à 13 heures Est-ce que 13 heures ça vous convient Bref, on aimerait bien ça votre feedback parce que tu sais c'est un peu pour vous qu'on fait ça en fait pour se revoir un moment où est-ce qu'on peut se voir entre grands puis discuter euh, ah, ben, sans, bon. sans jugement, sans culpabilité de plein d'affaires. Euh, donc si vous avez une petite seconde juste pour nous en mettre en commentaire ce que vous avez envie, euh, ça nous aiderait bien gros. Puis, si vous avez aimé. Euh, ou si vous aimez nos conversations là, de manière aimez la vidéo aussi pour qu'on puisse le savoir c'est votre feedback qui nous aide à évoluer grandir cheminer pour vous offrir euh, tellement le mieux du oui. mieux puis vous nous direz l'heure, parce que là, j'ai eu, en plus, Marie-Noël, t'es là. Merci Marie-Noël, parce qu'elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup euh, le matin. Elle, ça, la, ça lui convenait mieux. Et là, finalement, j'avais fait un. En fait de semaine, on a fait un petit sondage, puis ça donnait plus l'après-midi. Donc, est-ce que c'est plus l'heure du dîner ou c'est vraiment 13h, ça, ça vous convient? Tu sais, parce qu'on va s'ajuster en fonction de, de ce que vous désirez. Moi, j'avais eu un flash midi et demi à 13h30. Ça, c'est un peu l'heure du lunch, un peu après le lunch. Euh, donc là encore, on pourrait pas faire un sondage midi et demi ou treize heures ou tu sais on pourrait faire ouais, un autre sondage à semaine dîner. Parce que je après dîner, genre. Ouais, genre, genre, genre. genre. Euh, donc, on va livrer euh... du, de la bouffe puis on mange avec vous autres. Oh my gosh ça serait <laughs> tellement fun comme les midis de véro dans le temps. C'est vrai. Arriver. Hey, j'aime assez ça, les midis de Véro, là. Ah, C'était tellement ça. bon avec Véro et José. Puis en plus, je faisais souvent la 10 parce qu'à cette époque-là, j'étais à Rythme FM à Sherbrooke où on s'est rencontrés. Puis je faisais beaucoup la 10 euh, sur l'heure du dîner pour en revenir. Fait que je les écoutais tout le temps. Je trouvais ça bien fun. Que, Moi, j'ai été invitée une fois à leur émission. Je pensais m'évanouir, t'as m'acheter énervée. C'est hot, parce ça. que ben, je vais faire, on finit avec cette anecdote de, 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 de tout ça. Moi, dans la vie, j'étais avant, là, je le fais plus, je me garde une gemme. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui envoyait ses commentaires. Fait que moi, j'écoutais les minutes de Véro à, tout le temps. Puis à chaque fin de saison, j'écrivais mes, mes optiques de, Voici ce que moi je ferais l'année prochaine avec des idées. Puis une des idées que je leur avais proposées, c'était de faire des lunches de maman, où est-ce qu'on abordait la maternité sais qu'ils recevaient des gens, puis qu'on jasait des vraies affaires. Mais imagine-toi donc, ils ont pris mon idée, puis pour le premier, ils m'ont invité écoute. Je, je pense que j'ai stressé là toute la dite jusqu'à Laval, tu sais. Euh, écoute, là, je pense que j'étais en sueur, me suis changée trois fois. Esprit que j'étais stressée, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait et c'est juste avant ou après notre rencontre parce qu'après ça je suis devenue euh, régulière à rythme FM. Euh, ah, c'est la même année qu'on s'est rencontrés ouais, Donc euh, j'avais ah, bien on a refait ensemble plusieurs années plus tard. C'est pas le lunch de maman, mais c'est clairement ça, notre euh, notre concept pareil, entre mères. Puis là, je vois que Jennifer, elle a raté la première demi-heure parce qu'elle ça savait pas que c'était passé à 13 heures. oh c'est plate. Au moins, tu peux aller le réécouter du début, mais je comprends que tu vas être là pour interagir avec nous, Jennifer. C'est quoi la meilleure heure pour toi? Oui. C'est-tu comme vous le mettez sur la TV? Maintenant que les télé intelligentes, là, tu nous mets ça. Ma mère, a m'a mis, moi, sur sa TV, avec toi d'ailleurs. Fait qu'on était sur la grosse 65 pouces. Je vois ça bien le fun. Fait que vous nous. Dis-moi, dis les. Puis euh, Mélanie qui dit Pour les sujets, là, Jamie? Oui. Mélanie, elle nous a donné euh, Organisation Série TV. T'es dans les mêmes oh. affaires qu'on aime, Mélanie. Écoute. On est pareil. Mais euh, oui, c'est ça, c'est tu le. Ouais, fait, dites nous ce que vous préférez. Ouais. Puis il y a pas de gêne là, tu sais là, pas de gêne. Toutes les réponses sont bonnes. Puis on va y aller avec la majorité pour que pour que pour que vous soyez bien. Puis que, que ça fonctionne dans votre horaire. Ouais. Alors euh, c'est quoi ça? cet après-midi Tu t'en vas faire quoi euh, là, euh, je dois ramasser un peu. Après ça, j'ai un autre meeting dans 45 minutes. Puis après ça, c'est away dehors parce que j'ai besoin de me clairer la tête après la journée que j'ai eue aujourd'hui. Alors, ça va être dehors un petit peu. Puis après ça, revenir, travailler, souper. Okay, c'est pas très gris. après ton heure hey, de, 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 Après ma marche, ouais. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. J'ai comme beaucoup de choses à faire. Puis je veux pas prendre trop de retard. Puis là, ben, mon mari a des commissaires. C'est comme une journée euh, bise. Une, une grosse journée. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Moi, Et je m'en vais faire du montage, en fait. Je m'en vais faire du montage pour l'épisode 2, parce que le, le balado saison 2 est sorti Oui. La semaine passée. Puis euh, pour les fans de Patreon, en fait, il va sortir la semaine prochaine pour tout le monde, le premier épisode. Mais là, pour les fans de Patreon, l'épisode 2, c'est la semaine prochaine! Alors, il euh, faut que j'aille faire ça. Je m'en vais faire ça cet après-midi puis euh, ouais, puis je garde ma to-do list, là je me laisserai plus influencer. Tu sais, il y a bien des influenceurs dans le monde, moi c'est ma mère. Mon influenceuse, qui m'influence à mes magasiner. faut que j'arrête de de l'écouter puis que je sois productive. Fait que ça va être ça. Puis écoute, après ça les enfants arrivent euh... Ça, la journée passe vite, ça passe ouais, Ça besoin. va vite, hein? ça va tellement vite. Fou. Mais euh, cela dit, merci à vous toutes d'avoir été au rendez-vous. Ça a été bien plaisant vous jaser. Euh, N'hésitez pas encore à commentaires, feedback, questions, on vous écoute. Et euh, on peut retrouver Jessica sur la page Facebook Ça va Maman. On peut me oui. retrouver sur la page Je suis une maman. On est également sur Instagram avec les mêmes noms de compte. Alors, vous oui. pouvez nous retrouver et nous suivre. Ça va nous faire plaisir. Sur YouTube aussi, puisque YouTube. nous sommes en direct sur YouTube en ce moment. Fait qu'il y a un Je suis une maman, ça va maman? Bref, maman! Tapez maman, maman! Vous allez nous trouver, c'est sûr. Exactement. De même. Hey, merci. Hey, c est c est toi. Merci à, à toi. Plaisir. Bonne semaine. Merci, toi aussi. Puis là, je pense que l'organisation euh, pour la semaine prochaine, ça a l'air euh, ça bien bon. C'est fabuleux. Alors, on se rejasse de tout ça la semaine prochaine. Bye tout le monde!